Bonjour à tous, c'est Ludy pour la chaîne Créabilou. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un deuxième coffret bloc-notes. Je vous en avais déjà présenté un dans les tons fleuris et bleus avec une reliure à spirale. Je vous le remontre comme ça, voilà, hein, dans une vidéo précédente. Donc celui-ci, ça sera le coffret bloc-notes donc numéro 2. Il est donc fleuri aussi, hein, bon, c'est le printemps, ça veut ça, hein, donc voilà. Il est un petit peu plus, il est un peu moins, enfin pas un peu moins chargé parce que bon, il est chargé aussi. Voilà, je vous montre. Il a une ouverture différente. Donc celui-là, il n'est pas à reliure, il est avec un élastique. Voilà, un élastique sur le côté. Et puis voilà, donc il est dans les couleurs un petit peu marron, rose, rouge. Voilà, donc pareil, j'ai fait ah, ça y est, je perds mes mots. Un die cut en 3D, donc des décotines de chez Action. J'y ai mis donc bah, des fleurs, hein, toujours pareil, de chez Action. Voilà, hein, un petit mot, love, live, hope et believe. Voilà. Je l'ai surmonté d'un petit cordage en rose, rose violet un petit peu là. Ça permettait de cacher un peu la mousse 3D, puis je trouve ça sympa. Voilà. Donc pareil, il est simple. Là, j'ai mis. Donc j'ai mis le bout donc de l'élastique de chaque côté, là et là. Et donc pour le cacher, j'ai mis un papier, une petite fleur de chaque côté. Voilà. Donc c'est pareil, niveau dimension, il doit faire 14 et demi, celui-là sur 17. Voilà, 14 et demi sur 17. Donc il s'ouvre à l'aide de l'élastique, hein, comme je vous montrais. Hop, on passe derrière. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, il s'ouvre cette fois-ci par le dessus. Donc je vais essayer de vous le montrer en entier si j'y arrive. Voilà. Bon, je vais vous le montrer comme ça, hein, mais il est dans l'autre sens, hein, normalement. Voilà. Donc je vais commencer par cette partie-là. Voilà, donc il y a une petite carte. Là, petite carte. Voilà, que j'ai mis dans une petite pochette avec du papier, du cardstock blanc avec de la dentelle que j'ai perforé en dentelle. Donc j'ai surmonté là, pour le rappel du papier, avec un petit tamponnage, un petit mot. Donc hein, voilà, un petit mot. Là, j'ai fait une petite enveloppe. Bon, c'est une petite enveloppe déco, hein, c'est plus déco qu'autre chose. Elle est accrochée à l'aide d'un bout de scratch. Voilà, quand on l'ouvre, il y a le rappel du papier ici. Bon, on peut y glisser une petite carte, un petit quelque chose dedans. Hein, on peut. Bon, maintenant, c'est plus de la déco, un petit mot, un petit. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait le rappel donc de. Du papier, hein, en mettant un petit drapeau. Voilà, et donc pareil, donc alors là la tâche est différente. Je sais pas si vous vous rappelez sur le premier, je vais vous le remontrer. J'avais donc collé le bloc-notes, il était collé sur le dessous, fermé avec un aimant. Là, j'ai pas fait la même chose, donc déjà le stylo. Bon, c'est un stylo hein, rouge hein, qui rappelle les couleurs. Donc, je me suis servi du papier et donc j'ai fait un petit anneau, un petit passe-stylo là, en fait, hein, en papier. Donc, c'est en papier. Voilà. Et donc, cette fois-ci, le carnet, en fait, il n'est pas attaché, c'est-à-dire qu'on pourra le changer si on le souhaite. Bon, ça sera un carnet après non décoré, mais libre à celui qui l'aura de le redécorer après s'il le souhaite. Voilà. En fait, c'est une petite pochette. Hop, voyez, je peux le sortir. Donc là, il y a une pochette, en fait, en papier.
qui est collée là, bah, pour bien maintenir cette partie-là, en fait. Pour maintenir cette partie-là, il est collé, donc pour le stylo. Mais à partir de là, donc c'est ouvert pour pouvoir glisser en fait le calepin. Donc le calepin, il se glisse comme ça. Donc il est interchangeable celui-là en fait si les gens le souhaitent. Voilà. Hop, je vais essayer de le remettre sans l'abîmer. Je suis à l'envers. Alors attendez, je le remets à l'endroit un petit peu histoire de le reglisser correctement. Voilà. Hop, ça se défait, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil, j'ai décoré la première page. Voilà, après c'est pareil, c'est un bloc-notes. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais que j'ai décoré donc avec un petit ruban dentelle pour rappeler le haut. Hein. Là, hop. Voilà, et puis j'ai une petite déco toute simple, en fait, voilà. Donc je trouve ben, ces petits calepins sympas à offrir. Alors pour toutes sortes d'occasions, hein, pour faire plaisir ou autre. Pour mettre à côté de son téléphone. Alors c'est vrai que maintenant nous n'avons plus vraiment de téléphone fixe. On a beaucoup des portables. Mais il n'empêche que ça peut quand même arriver qu'il y ait des gens qui ont encore des téléphones fixes. Et qui ait besoin d'un bloc-notes, mais ça peut être sur un bureau, n'importe où, enfin voilà, hein, toujours envie d'écrire un petit mot, un petit quelque chose, une liste de courses, voilà, donc sur un bureau, même au travail, hein, ça peut être un peu sympa d'avoir un petit calepin comme ça, fait main. Voilà, donc ben, c'était le deuxième carnet, donc bloc-notes que j'ai fait, j'espère que celui-ci vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, hein, savoir ce que vous en pensez, comment vous auriez vu fait vous autrement ou pas. Voilà, donc c'est deux attaches différentes. Hein, je vous remontre le premier. Celui-là, il est en reliure, donc il fait un peu plus carnet, et celui-là, il fait un peu plus coffret. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. N'hésitez pas à mettre un pouce sur le dessus, à liker, à commenter si le cœur vous en dit et vous abonner. Allez, au revoir, bon après-midi!